Nazaire, in tanto in puli, diga. Nous revenons ce soir sur les élections sénatoriales d'hier dimanche en compagnie de notre invité Paolo Zantoparigi. Bonazer. Bonazer. Élu hier premier sénateur nationaliste de Haute-Corse, vous avez indiqué à l'issue de votre élection au Sénat, je ne serai pas seul, je vais faire partie d'un groupe. Lequel ? Est-ce que ce sera le groupe Europe Écologie et les Verts d'Esther Bombassa ? Alors, effectivement, c'est une déclaration que j'ai faite hier. Aujourd'hui, il est sûr que si je monte au Sénat et que je suis tout seul, j'aurai du mal à faire bouger les lignes. Temps de parole limité, n'étant pas membre d'un groupe, etc. Exactement. Donc aujourd'hui, un certain nombre de discussions sont en cours, effectivement, avec Europe Écologie Les Verts, mais bien d'autres groupes. Et y compris des groupes, alors plutôt des groupes écologistes, plutôt des groupes proches de la gauche, du centre-gauche, quelle tendance plutôt ? On ne cherche pas la tendance, on cherche des sénateurs qui puissent défendre ce que nous défendons aujourd'hui en Corse. Des sénateurs régionalistes, éventuellement, des Bretons ? Effectivement. Est-ce qu'il y aura des discussions dans les prochaines heures ? Effectivement, demain matin, donc, nous aurons des discussions avec un certain nombre de sénateurs. Au Sénat, demain matin, à Paris ? C'est ça. Vous avez été maire de Saint-Allogier et Mercurio, président de la communauté de communes Pasquale Bauli, élu à l'Assemblée de Corse. Jadis, les nationalistes dénonçaient le cumul des mandats. Vous vous considérez comme un cumulard ? Alors, c'est des choses qui reviennent souvent, le cumul des mandats. Ce n'est pas un cumul de mandats, puisque le cumul des mandats est aujourd'hui interdit par la loi. C'est plutôt un cumul de fonctions. Symboliquement. Voilà. Bah, effectivement, par la force des choses, bah, en politique, on se trouve souvent devant ces différents mandats. Et ça m'est arrivé. Aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui est un peu décrié. Je le décris moi-même, hein, c'est pas un problème. Donc, à partir du moment où je suis élu sénateur, un certain nombre de mandats tomberont naturellement et d'autres, je les délaisserai. Ces mandats que vous avez exercés, ces trois mandats, est-ce que ça n'était pas finalement une stratégie de votre part pour creuser le sillon en vue des sénatoriales, justement, préparer les grands électeurs, les rencontrer, etc. Oh, pas du tout au départ. Pas du tout au départ. Mon investissement en tant que maire de Sant'Allogia e Mercurio vient d'abord l'amour pour mon village et la volonté de le voir vraiment progresser, de le voir se développer. Et effectivement, au bout d'un certain temps, après avoir eu un certain nombre de mandats, je me suis heurté à un certain nombre de lois qui ont fait que je me suis dit, mais nous qui sommes sur le terrain, nous qui au quotidien vivons un certain nombre de problématiques, on s'aperçoit à plusieurs reprises que la loi n'est pas en relation avec ces problématiques. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer d'aller faire bouger un peu les lignes là où on fait la loi. Vous avez quitté le PNC, le Parti de la Nation des Gourses, pour rejoindre FEM. Hier, Jean-Christophe Angelini vous a rendu hommage. Ça veut dire que les divergences, la hache de guerre est enterrée ? Mais je n'ai pas de hache de guerre avec monsieur... Avec Jean-Christophe Angelini. Jean-Christophe est un ami comme tous ceux du PNC et il n'y a aucun problème entre nous. Vous ne regrettez pas ce choix d'avoir quitté le PNC pour rejoindre FEM ? Je n'ai pas quitté le PNC pour rejoindre FEM. Je suis resté dans FEM, qui était la coalition électorale d'un certain nombre de partis. J'ai entendu hier Esther Bombassa, qui pourrait donc présider le groupe Europe Écologie Les Verts, dire « Nous débattrons des sujets environnementaux, notamment de la 5G. Est-ce que la Corse peut se passer de cet équipement ? Ne fût-ce que pour la télémédecine, nous sommes une île, pas de centre hospitalier universitaire. » Enfin, la situation, vous la connaissez. Écoutez, aujourd'hui, la 5G est décriée un peu de partout. Ça serait un problème, voire même un problème peut-être sanitaire à un moment donné. Écoutez, on va attendre un peu que ces choses-là soient vraiment certifiées, puis on en rediscutera. Je reviens à la politique, il me reste 30 secondes. Pas de candidat nationaliste en Corse du Sud, ça a été une erreur ? Une faute ? Je pense que, oui, effectivement, c'est une erreur. On aurait dû être présent aussi en Corse du Sud. Il faut occuper le terrain, quel qu'il soit. Et même si des fois au bout, il n'y a pas de victoire. Pourquoi ça ne s'est pas fait, selon vous ? Pas le bon candidat, pas le bon moment ? Pas anticipé, pas d'anticipation ? 20 secondes ? Sûrement, oui. C'est ces raisons-là qui ont fait qu'il n'y a pas de candidat. Comment vous appréhendez votre mandat ? Il y a un peu d'appréhension Effectivement, vite fait, 10 secondes. Il y a un peu d'appréhension, mais aujourd'hui, je suis serein et déterminé et je sais que je réussirai dans ce mandat qui m'a été confié. Merci Paolo Zantoparigi de nous avoir accordé votre première interview. Intantum Puli, diga, laisse la place désormais au Corsi Gazer, présenté ce soir par Jean-André Marquiani.